maison de Dieu. Soyez les bienvenus. C'est toujours une grâce, un honneur dans la maison du Seigneur. It's wonderful to be in the house of the Lord. Be welcome today. Et annoncer la parole du Seigneur, c'est également un honneur et une grâce. It's a great honor and a great grace to be able to preach the word of God. D'autant plus que ce matin, je vais vous parler d'un sujet assez sensible. Especially since today I have quite a delicate message to bring to you. Et qui est un peu en cohérence avec ce que nous vivons actuellement dans notre pays et dans le monde entier d'ailleurs. And it lines up with what we're experiencing in our country these days. Mais comme nous sommes également sur Internet, il y a un certain nombre de choses que je pourrais dire et d'autres, on va dire, je ferai preuve de sagesse. So, but since we're on the Internet, I will also use a lot of wisdom in what I have to tell you. So. Mais je prêcherai néanmoins la vérité de la parole de Dieu. But I am going to preach the truth of God's word. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Because the word of God is not to be held back. Et elle doit être prêchée en tout temps, bon ou mauvais. The word of God needs to be preached at every opportunity, whether it's good or not. Ça a été l'exhortation que Paul a dit à Timothée, en tout temps, que les temps soient favorables ou défavorables, prêche l'évangile. That's exactly what the apostle Paul told Timothy, no matter what season you're in, be ready to preach the gospel. Nous n'allons pas altérer notre message parce que nous sommes persécutés, en tout cas intimidés. We are not going to change our message because we're being persecuted or intimidated. Parce que la vérité de la parole est la vérité. Amen. Because the truth of God's word is the truth. Et je voudrais que nous sachions que si l'évangile nous est parvenu jusqu'à ce jour, certains ont payé le prix du sang. Listen, if we are in possession of the gospel even today, it's because people shed their blood for that reason. La parole de Dieu nous est pas parvenue par un long chemin tranquille, ça a été un chemin rocailleux, difficile et jonché de sang. The word of God did not come to us in a very easy, natural way. No, the price was paid. It was a difficult way to bring us the truth. Donc ne soyons pas intimidé. Amen. So, let's not be intimidated, brothers and sisters. Celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. For he that is in us is greater than he that is in the world. Est-ce que vous pouvez le dire comme si vous le croyez vraiment? Now, celui qui est en nous est plus like fort que celui it. Qui est dans le monde. He that is in me is greater than he that is in the world. Non, je suis pas encore convaincu. I'm not convinced. Celui Come qui on, est en nous est plus fort que celui qui est dans home, le monde. Stand up and say it strong. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Acclamons Let's le Lord Seigneur. Our God. Thank you, Jesus. Alléluia, alléluia. Thank you, Lord. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir pour ces temps particuliers que nous vivons. Father, we thank you for these particularly special times that we live in. Seigneur, la vérité, c'est que rien ne te trouble, rien ne t'ébranle. The truth is that you are not shaken by anything. La vérité, c'est que Père, tu es assis sur ton trône et tu règnes. The truth is that Father, you are on the throne and you reign. Tu te ris des stupides. And you even laugh at the foolishness. Tu es le Dieu vivant et vrai qui est capable de semer la confusion dans les desseins des nations. You are the one true living God who is even capable of sowing confusion in the midst of the enemy. Tu es le Dieu qui aura le dernier mot. And you are the God who will have the last word. Tu es le Dieu qui a déclaré je triompherai. You are the God that declares you shall triumph. Tu as dit Père je triompherai. You declare you will triumph. Tu auras le dernier mot. And you will have the last word. Alors Seigneur, nous sommes pleins d'assurance. So Father, this fills us with confidence. Car nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Because we know in whom we have placed our trust. Celui qui ne faillit jamais. The one who never fails. Celui qui est fidèle. The one who is faithful. En tout temps. Every single time. Et en toutes circonstances. And in every single circumstance. Alors Seigneur, nous ouvrons encore nos cœurs ce matin. So we open our hearts to you today, Lord. Et nous te demandons d'effacer toute chair. And we ask you to erase every work of the flesh. Et de laisser simplement ton esprit parler. And allow your spirit to speak freely. Car Seigneur, la chair ne sert de rien, mais l'esprit vivifie. The flesh serves no purpose, but the spirit gives life. Nous savons, Seigneur, que ce matin encore, tu veux nous parler et nous faire du bien. Alors fais tout ce que tu as prévu pour la gloire de Jésus-Christ. We invite you to do everything you have planned because we know that you want to do good to us this morning. Amen. In the name of Jesus, amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Nous allons parler de la guerre spirituelle. We are going to talk about spiritual warfare. Mais simplement une ébauche. But simply a synopsis. Le thème de mon message, c'est la guerre spirituelle est une réalité. The title of my message is simply spiritual warfare is a reality. Parce que frères et sœurs, dans le corps de Christ,
on voit parfois trop de naïveté. Too often in the body of Christ, we see naivety. Et on fonctionne comme si on était des êtres naturels. And we function on a natural level as though we were natural human beings. Et comme si on marchait dans un monde naturel. As though we were walking only in a natural world. Mais la réalité, c'est que le vrai monde, il est spirituel. But the reality is that the true world that we're facing is a spiritual world. La vérité, c'est que la vraie guerre, elle se passe dans l'invisible. And the truth is that the true warfare is what happens in the invisible realm. Et c'est tellement vrai qu'un jour, ce monde, il disparaîtra. One day, the world will disappear. N'est-ce pas? True? Et qu'est-ce qui va rester? N'est-ce pas le monde spirituel? Now, what about the spiritual world? Le monde spirituel, lui, il va demeurer. That world will remain. Ce monde, il n'est que pour un temps. This natural world is only for a time. Ce qui déjà doit nous faire prendre conscience que les réalités sont ailleurs. This means that we need to be aware of spiritual reality. Et le chrétien doit comprendre ces réalités pour ne pas fonctionner comme au hasard. And then we need to understand these principles so that we're just not functioning by chance. Et Paul dit marcher courant comme battant l'air. Comme ça, dans le désordre. The Apostle Paul says, I don't fight as though I'm just beating the air. Je me lève et si ce que je trouve bon à faire, ben je le fais. I rise up and when I find the right thing to do, I do it. Alléluia. Thank you, Lord. Vous savez, c'était comme à l'époque des juges. You know, if you remember the time of history called the judges. The quand il n'y avait pas encore, juste avant la royauté, une période, je crois, de pratiquement 300 ans au moins. I think it was a period that lasted about 300 years before there was ever a king in Israel. Et la Bible nous dit que chacun faisait ce qu'il semblait bon. And the Bible says at that time people everyone did what was right in his own eyes. Voilà, le matin on se lève et selon ce qui nous passe par la tête, bon on fait ou on ne fait pas. Okay, we wake up in the morning, whatever comes to mind, we'll do it. Mais le chrétien doit prendre conscience qu'il est d'abord un être spirituel. Listen, Christians need to realize that we are first of all spiritual beings. Il est un esprit. Il est d'abord esprit. You and I, we are spirit. Un esprit qui est dans un corps, mais c'est d'abord un esprit. Our spirit lives in a body, but we are first of all a spirit. Et c'est pour ça que Dieu, qui lui-même est esprit, quand il nous parle, il parle d'esprit à esprit. God himself is a spirit. Therefore, when he speaks to us, he is speaking spirit to spirit. Dieu ne parle pas à la chair, Dieu ne parle pas au corps, Dieu ne parle pas à l'âme. Dieu parle d'esprit à esprit. God doesn't speak to the flesh or the body or the soul. He speaks spirit to spirit. Donc nous devons prendre conscience que nous devons fonctionner comme d'abord étant un esprit. So we need to realize first of all that we are called to function as spiritual beings. Un esprit qui doit prendre conscience du monde réel qui l'environne, au-delà de ce que ses yeux naturels voient. A spirit that needs to be aware of the world in which he lives beyond that which is visible. Et c'est pourquoi la révélation est tellement importante. That's why we need a spirit of revelation. Vous savez ce que Paul nous enseigne. Paul nous dit, vous-même, vous voyez combien j'ai une maîtrise, une connaissance des mystères de Christ. The Apostle Paul was confident that he had an inkling of the mysteries of Christ. Un homme qui n'a pas marché avec Jésus, il n'a pas connu Jésus dans la chair. But this was a man who had not walked with Jesus according to the flesh. Et pourtant, la révélation qu'il avait de Christ, qu'il avait du monde spirituel, dépasse toutes les autres connaissances que les autres avaient à son époque, et même ceux qui ont marché avec Christ dans la chair. However, his understanding of the spiritual world far surpassed even the disciples that walked on the earth with Jesus. Et nous devons donc prendre conscience que si nous marchons par l'Esprit, nous avons la possibilité d'avoir accès à certaines révélations. So if we walk by the Spirit, we have access to revelation. Ne soyons pas trop présomptueux pour dire qu'on va décortiquer tout le monde spirituel. C'est un monde complexe. Le sujet n'est pas là. Let's not be presumptuous. It's not like we will totally understand every aspect of the spiritual world. Le sujet, c'est que ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui par rapport à ce domaine. The message today is simply what is God saying to us today about the spiritual realities. Paul écrit aux Éphésiens, et dans Éphésiens 6, Paul dit ceci, les versets 10 à 14, Paul va évoquer des choses assez étonnantes et qu'on a parfois du mal
à saisir. Mais pour lui, quand il en parle, on a l'impression que c'est une réalité, mais tellement évidente. In Ephesians chapter 6, Paul speaks to us of spiritual realities that are very obvious to him, from verses 10 to 14, which Blondel is going to read, but these things are not necessarily obvious to those that don't walk in the Spirit. Que le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir dire tout ce que j'ai à vous dire ce matin, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Amen. Now, I have a lot to say to you this morning, so grace, grace. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. D'autres traductions disent les dominations. Contre les pouvoirs. D'autres vont parler des puissances ou des autorités. Contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, ou les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez, je rajoute le verset 14, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. On va s'arrêter là pour ce passage. So this is the passage that describes the spiritual principalities and authorities in the kingdom of darkness and how to stand firm and be protected in confronting them. Et dans le livre de Daniel, nous allons lire un passage là également assez étonnant. Now we're going to read a passage from the book of Daniel, which is quite a surprising passage. Et nous connaissons vraiment ce passage par cœur. On sait que là, Daniel a jeûné 21 jours, et il se passe quelque chose. Most of you know this passage by heart. It's after Daniel fasted for 21 days, and you can read what happened. Et ce qui se passe juste avant ce passage, c'est qu'on comprend qu'on se situe au 24e jour. Now, as you read the passage, you'll understand that this is now the 24th day. Autrement dit, manifestement, cet ange puissant, peut-être Gabriel, parce que Gabriel lui a apparu déjà un petit peu avant, on comprend qu'il vient le 24e jour. Here we have Daniel, and we see this archangel arriving on the 24th day of his prayers. Suivez-moi bien ce matin, amen. Stay with me. Il ne vient pas le premier jour de jeûne de Daniel, il ne vient pas le dixième, il vient le 24e jour, et là il va lui dire quelque chose. The archangel didn't arrive on the first day of Daniel's fast, not even the 10th day, but 24 days into it. Au verset 10, il est écrit ceci. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, parlant de cet ange puissant, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, au verset 12, « Sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. » We Amen. Read from Daniel chapter 10, verses 10 to 13, and we see that the angel came because the warfare was intense, and Daniel had prayed and humbled himself before God, and that's why God sent him the angel. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe. I don't know if you really understand what's happening in this passage. En fin de compte, ce que va dire cet ange, il dit beaucoup plus haut, il va dire, en fin de compte, Daniel, tu sais, tu avais été exaucé. As you read in the entire chapter, the angel is actually coming to announce to Daniel that his prayers are being answered. Quand tu as eu à cœur de prier, de jeûner, tu as été exaucé, mais il s'est passé quelque chose. He was saying to Daniel, the day you decided to fast and pray, your prayers were answered, but something happened. Et là, Daniel, qui lui priait normalement, sans savoir ce qui se passait, il apprend soudain que, en fait, dans le monde spirituel, il s'est passé quelque chose, comme c'est surprenant. Now, Daniel was just praying and fasting normally, but it came to the point where he understood that something spiritual was happening. Et il lui dit, tu sais, je venais avec ta bénédiction. And he said, I came with your blessing.
tu as été exaucé. Donc, je venais par ordre de Dieu pour jusqu'à toi, parce qu'à cause de tes prières. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, à cause de tes paroles, c'est à cause de tes paroles que je suis là. In other words, the angel was saying, I came because of your prayers. I came because of your words to bring you this message. N'oublions pas que la prière est une des armes de Dieu dont nous avons lu tout à l'heure. So don't forget, prayer is one of the most powerful weapons you have. Cet ange lui dit, c'est à cause de tes paroles. Autrement dit, Daniel, c'est parce que tu as prié avec persévérance que moi je suis là. So he's saying, because you prayed with perseverance, I came. Mais Daniel, le problème, c'est qu'il y a une principauté qui a autorité dans le monde spirituel au-dessus de l'empire perse. But here's what happened. I was on my way, but there was a spiritual prince, the prince of Persia, who maintained spiritual authority in that spiritual realm. Et rendez-vous compte que malgré que ce fut Gabriel, malgré la puissance de cet ange, il dit à Daniel, il m'a résisté 21 jours. And the angel said, you know, despite the power and authority he possessed, that principality resisted him for 21 days. Nous, on a l'impression, hop, tu pries, c'est terminé. Non, il y a certains combats qui sont une réalité spirituelle et il avait beau être Gabriel, la principauté de Perse l'a résisté. Il lui a dit, tu passes pas et ça a duré, frères et sœurs, 21 jours. Sometimes we think, we pray and it's done. However, in this situation, we understand that Gabriel was sent from the beginning, but he encountered the prince of Persia, and therefore it took 21 days to get there. Et c'était tellement extraordinaire que, en fait, Gabriel ne pouvait même pas s'en sortir seul. Est-ce que vous vous rendez compte? Puissant, mais il ne pouvait pas s'en sortir seul. Il dit, j'ai dû faire appel à Michel en personne. Do you realize that the warfare was so intense that the archangel Gabriel couldn't even get through it by himself? He had to call the archangel Michael to come and help him. Le chef de l'armée de l'Éternel. And Michael was the commander of the Lord's army of hosts. Et quand on se rend compte que Gabriel arrive le 24e jour, cela signifie qu'en fin de compte, la bataille a même duré 3 jours encore entre Gabriel, Michel et cette principauté. So Michael arrives the 24th day, which means there were 3 days where even his presence caused the warfare to last even longer. Ce qui veut dire que la bataille spirituelle était une réalité. That speaks to us about the reality of spiritual warfare. Non seulement était une réalité, mais était redoutable. And it's not just a reality, it's a very powerful force that we need to be aware of. It was a powerful force, brothers and sisters. Parce que cette principauté faisait partie de la première catégorie que nous avons lue dans Ephésiens 6, les principautés ou parfois les dominations. C'était une domination. This kind of warfare is what we were reading about in Ephesians 6, talking about principalities and powers and dominations. Et s'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, on peut passer à côté de certaines réalités. Now, if we don't understand all of these dynamics, we could miss certain realities. Le jeûne, la prière, la persévérance de Daniel a créé la baisse. But the fasting and the prayers and the perseverance of Daniel is what brought the breakthrough. Quand on lit les écrits de Paul, il est manifeste que Gabriel est du troisième ciel. Now, when we read the writings of Paul, we understand that Gabriel came from the third heaven. Il y a un troisième ciel. There is a third heaven, brothers and sisters. 2 Corinthiens 12, que je connais un homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel et qui a entendu des choses ineffables que n'est même pas permis à un homme de rêver. The Apostle Paul spoke about hearing about a man who went to the third heaven and could not even repeat what he heard there. Donc manifestement, descendant du troisième ciel au niveau du deuxième ciel, il y a eu un obstacle violent. So there was some obstacle between the third heaven and the second heaven that hindered those angels from getting there. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a triomphé. But the good news is that Jesus Christ has triumphed over those obstacles. Jesus has triumphed. I said, Jesus triumphed. Il même dit à son sujet dans Ephésiens 1, au verset 21, en parlant de Jésus, il est dit, au verset 20, il a mis en action, en parlant de la force puissante du Seigneur, il a mis cette force en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes.
au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. You can read about this victory in Ephesians chapter 1, verses 19 to 23. Et dans Colossiens 2, 15, il est écrit ceci, Christ, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. And in Colossians 2, 15, Jesus disarmed the rulers and the authorities and put them to shame by triumphing over them. Si vous regardez Ephésiens 6, if you look at Ephesians chapter 6, il y a une formule qui revient à trois reprises. There is a phrase that appears three times. Paul dit, tenez ferme. Stand firm. Au verset 13, il dit, au verset 10, tenez ferme afin de résister aux manœuvres du diable. He says it the first time in Ephesians 6, verse 10, stand firm in order to resist the enemy. Après, il va dire encore, tenez ferme. Après avoir résisté, tenez ferme afin de tout surmonter. Then the second time he says, after having resisted, stand firm in order to overcome. Et Paul va enfin dire encore, tenez ferme et prenez les armes de Dieu. And the third time he says, stand firm and take up the whole armor of God. En quatre versets. Now in the space of four verses, il y a cette formule qui revient trois fois. Three times he repeats this phrase, presque, stand firm. Presque une fois par verset. Almost once every single verse. Tenez ferme. Stand firm. Stand firm. Mais avant de tenir ferme, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. But even before he says stand firm, he says this, strengthen yourself in the Lord. Et dans sa force toute puissante. And in the power of his might. Et pourquoi Paul nous dit de tenir ferme? So why is Paul saying so often to stand firm? Parce que le mot qu'il utilise là, Paul, en grec, c'est un mot qui veut dire qu'en fin de compte, on a pris une position quelque part. The Greek word for standing firm means you've taken a position somewhere. Comme si on avait planté notre drapeau dans cette position qu'on a acquise. As though you have planted your flag there and you have claimed that territory. Une position spirituelle. And it's a spiritual position we're talking about. Et on veut nous l'arracher. And somebody is trying to take it from us. On veut nous déposséder de notre position. Somebody wants to rob us of our possession. On veut nous déposséder de ce que nous avons acquis. Somebody wants to rob us of what we have obtained. Et c'est pour ça que Paul dit, tenez ferme. That's why Paul says, stand firm. Parce que Paul a compris la réalité du combat spirituel. That's because the Apostle Paul truly understood the realities of spiritual warfare. Vous savez, nous devons faire extrêmement attention à un monde, certes qui est vaincu, mais qui est redoutable. We are facing a world that has been overcome but is yet powerful in warfare. Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est Christ qui a triomphé. Jesus has triumphed. C'est ni toi ni moi, c'est Christ qui a triomphé. It doesn't mean you, me, but Christ, our Lord and Savior, has triomphed. Ce qui veut dire que je ne triomphe que quand je reste connecté à lui. So, the only way for you and I to triumph is to stay connected to Jesus. Sans lui, je ne suis rien. Without him, we can do nothing. Si je me lance dans une bataille, un combat avec ma propre force, elle est perdue d'avance. Il est perdu. Listen, if you propel yourself into spiritual warfare in your own strength, you've already lost the battle. Parce que ce royaume a compris et a mis en œuvre une stratégie très particulière. Because the kingdom of darkness has a very particular strategy for winning spiritual warfare, or trying to win spiritual warfare. Une stratégie redoutable. And this is a powerful strategy. Et vous savez ce qu'il a compris, ce que notre adversaire a compris. What our enemy has understood is this. Il a compris trois choses. Three things. Make a note of it. Et que le Seigneur vraiment ouvre nos yeux ce matin. And I believe the Lord is going to open your eyes today as you hear these things. Il a compris ce qui était essentiel pour remporter une guerre. The enemy understands how to do spiritual warfare. Premièrement, être organisé, structuré. He knows, number one, how to be organized, how to be structured. Et dans cette condition, non seulement être organisé, structuré, mais avoir une chaîne de commandement
redoutable et efficace. And he has this hierarchy. He has a chain of command that is powerful and effective. Deuxièmement. The second point. Des alliés. He has allies. Il a compris que pour vaincre, il ne faut pas simplement être organisé, il ne faut pas simplement avoir une structure de commandement efficace, il faut avoir des alliés. He understands that not only do you need to be organized and structured, but you need to have allies in order to win the war. Et le troisième point qu'il a compris. And the third point. Avoir un objectif. Have an objective. Have a target. Il a trois principaux alliés. So those are the three main points to be effective in spiritual warfare. Le premier cas, on a vu la structure, Ephésiens 12, c'est une structure organisée, précise, dont les rôles sont clairement définis. The first point, organization and structure, we saw that in Ephesians 6, verse 12, how everything was in order, there's a hierarchy. On n'aura peut-être pas le temps de rentrer tout de suite, peut-être après. We won't have time to go into detail, but perhaps another time. Comprenez que quand nous lisons Colossiens 2, 15, si on revient à Colossiens 2, 15, ce qui est dit, c'est que Christ a dépouillé, désarmé les principautés ou les dominations et les pouvoirs. But remember in Colossians 2:15, we read that Jesus disarmed the rulers and the powers and the principalities. Les quatre catégories ne sont pas citées. And in that statement, the four levels of structure were not quoted. Il y a que les dominations et les autorités qui sont citées. He mentioned rulers and authorities. That's only two out of four. C'est pas une omission. And it's not an omission. C'est parce que là nous sommes dans la chaîne de commandement. Here we're looking at the chain of command. Les dominations, les autorités. The dominations or the rulers and the authorities. Those are the two Donc, key. Donc à la croix, le Seigneur a triomphé, mais avec une certaine stratégie. That is what Jesus triumphed over at the cross of Calvary with a certain strategy in mind. Il les a pas simplement dépouillés, il a détruit la chaîne de commandement. Not only did he disarm them, but he also destroyed the chain of command. La chaîne de transmission. Or the hierarchy, the structure. Nous avons l'autorité pour détruire et semer la confusion dans la chaîne de transmission dans le combat spirituel. So we have authority to destroy that structure, that hierarchy in the chain of command. J'ai parlé de l'organisation, j'ai parlé de la structure parce que vous savez que dans une guerre, la chaîne de commandement et la transmission des informations, elle est un élément clé pour vaincre. I'm speaking to you about this because in any war, the chain of command and the transfer of information is so important. Vous pouvez perdre la guerre simplement. Vous pouvez gagner la guerre parce que vous avez coupé les transmissions d'informations de l'état-major vers ceux qui doivent exécuter vos ordres. You know, you can win a war simply by cutting off communications from the general to his troops. Donc, le triomphe de Christ à la croix était stratégique et très particulier. So that's why the triumph of Jesus at the cross was very strategic. Donc je disais, le deuxième point, il a compris notre adversaire qu'il fallait avoir des alliés. Now the second point, our enemy understands he needs allies. Nous allons quelque part. And we're going somewhere with this. Ses alliés, premièrement. First of all. Le monde et tout le système de ses valeurs. His first ally is this world and all of its belief systems. Le monde et tout, et plus précisément le système de valeurs du monde. The belief system or the value system of this world has become the ally of our enemy. Un des alliés. Deuxième allié. The second ally. Les chrétiens charnels, la chair. Carnal Christians. The flesh is an ally of the devil. Comprenez bien ce que je dis. Understand what I'm saying. Charnels. Christians who are carnal. Ça veut dire que quand nous décidons de marcher dans la chair, when we decide to walk in the flesh, nous devenions inconsciemment ou consciemment un de ses alliés. We are consciously or unconsciously becoming the ally of the enemy. Troisième allié. Now the third ally. Des relais humains. Positionnés dans des sphères stratégiques. Human beings strategically positioned in the spiritual realm. Des relais humains positionnés dans des sphères stratégiques. Strategically placed in the spiritual realm. Pour traduire dans le monde naturel ce qui est décidé dans le monde spirituel. Comme ça se passe pour nous en tant que chrétiens. La réalité, c'est que quand Dieu donne un ordre, pour que ça se manifeste dans le naturel, ben, il faut nous,
comme intermédiaire. They translate into the natural world what they receive in the spirit. The same way you and I as Christians receive from the spirit of the living God and translate into the natural world. Et ben de l'autre côté c'est pareil. And it's the same thing in the camp of the enemy. C'est aussi simple que ça. Il faut Very des simple. Il faut un intermédiaire, il faut des relais humains. Positionné dans des sphères stratégiques. Needs an instrument through which to move. Mais on peut aussi être allié, comme je l'ai dit, au travers de la chair, malgré soi ou volontairement. You can be, therefore, an ally through the flesh of the enemy, whether you know it or not. Et tout le système du monde. And every system of this world, the value system of this world, is an ally of the enemy. J'ai parlé de la structure, j'ai parlé des alliés. So, we've talked about structure, we've talked about the allies. L'objectif. Now the third thing is the objective. Deux principalement. Primarily two objectives. Premier objectif. The first one is this. La destruction de l'Église. The enemy wants to destroy the church of the living God. La destruction des saints. The destruction of the saints is his objective. Et quand on parle de l'église, je parle de toi et de moi. And when I say the church, Amen. The saints, it's you and me. Je ne parle pas du bâtiment qui va venir. Il I'm peut aussi saccager le bâtiment. Building, il peut aussi saccager le bâtiment. Oui, il le fait aussi. He can destroy a building, but Mais là, that's je not parle his goal. De toi et moi. Je parle de l'église vivante. Je parle de toi et moi. The living church of Jesus Christ. Pourquoi? Why? Parce que ce premier objectif, il est intimement lié au deuxième objectif. The first objective is tied to the second objective. Et son deuxième objectif, en fait, est le principal objectif. And it's actually the second objective, which is his main objective. Parce que tout son combat, il tourne autour de cet objectif. All of his warfare is towards that one objective. Recevoir l'adoration. He wants to be worshipped. Recevoir l'adoration qui est due à Dieu, mais que cette adoration soit tournée vers lui. Your enemy wants to receive the worship that your God deserves. Et regardez bien dans la tentation, dans le désert. Look at the way Jesus was tempted in the desert. Quand il a commencé à semer un peu la confusion avec le pain, avec le fait de sauter également de je sais pas trop du toit du temple, il finit par quoi? When he tried to tempt Jesus, what did he end up saying? Il finit par la réalité, en fin de compte, de ce qu'il poursuivait. Tombe, prosterne-toi et adore-moi. He stated his main objective in the third temptation. He said, if you will bow down and worship me. You see? L'argent, il s'en fiche. Il rend les gens milliardaires. He could care less about having money. You know, he's the one that can make somebody a millionaire. Les positions d'autorité, il occupe les sphères d'influence. And he doesn't even worry about positions of authority because he's already in influence there. Mais l'adoration, tourner le cœur des hommes vers l'adoration qu'il a lui et non à notre Dieu, ça c'est son objectif. He wants to draw the worship of men and women towards himself. Et le problème, c'est que les seuls qui sont capables de contrecarrer cet objectif, c'est l'Église de Jésus-Christ. And the only ones who are able to oppose that objective is the Church of Jesus Christ. Nous sommes les seuls qui peuvent déjouer cet objectif, parce que si nous rentrons dans notre vocation, if we enter into our calling, we are the only ones that can undo the objectives of the enemy. Et vous allez comprendre pourquoi il est important d'être ni charnel. That's why it's so important not to be carnal. Et mais pourquoi, au contraire, il faut libérer la grâce et les dons que Dieu nous a donnés. That's why it's so important to release the grace and the giftings that the Lord your God has given you. Parce que nous rentrons dans en plein milieu de son objectif, puisque notre but, c'est au contraire, c'est de gagner les cœurs des hommes pour qu'ils adorent notre Créateur. Our mission is to win the hearts and souls of men so that they would adore the one true God. Autrement dit, il faut plus que jamais que nous fassions ce pourquoi nous sommes combattus. So, more than ever before, we need to be doing what you and I are called to do. Sans devenir des alliés. Without becoming allies of the devil. En marchant dans la chair. By walking in the flesh. Amen. Amen. Juste un dernier mot avant de rejoindre le pasteur Robert. Now, to conclude, one last word. Il faut savoir que dans cette organisation dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a des éléments importants. There are some important points in the structure that we talked about earlier. Nous avons parlé par exemple des dominations. We talked about dominations. Qui est le plus haut niveau. Or the highest authorities. On a vu tout à l'heure l'exemple avec le prince de Perse. And we saw the example of the prince of Persia.
Je vous en cite simplement deux autres, mais je ne pourrai pas rentrer dans le détail. I'll give you two other examples which you can research because we don't have time to talk about the details. La mort est une domination. Death is a domination. La mort, c'est pas un truc comme ça qui vous arrive. Je suis mort, hein. It's not just a thing that arrives the day your life ends. La mort est un esprit. No, death is a spirit. Et quand vous lisez Apocalypse au chapitre 20, vous verrez que c'est le dernier ennemi qui sera jeté dans les temps ardents de feu, après même Satan. And you can read about it in Revelation chapter 20 because death is the last enemy to be thrown in the lake of fire. La mort est le séjour des morts. It is talking about death and the dwelling place of the dead. Mais une domination particulière, frères et sœurs, qui est le mal de ce siècle, Mammon. And the second one is Mammon. Mammon est une domination. Very, very visible in this generation. It is a domination. It is a power. Et c'est pour ça que quand le Seigneur en parle dans les évangiles, that's why, when Jesus talks about that in the Gospels, ce n'est pas que Mammon est Dieu. Mais vous voyez, Jésus dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. He says, you cannot serve God and Mammon. Évidemment, Mammon n'est pas Dieu. Mammon isn't God. Évidemment, il ne peut pas égaler Dieu. He cannot go against God. Mais comprenez ce qui est dans le cœur du Seigneur. But understand what's in the heart of the Lord today. C'est le niveau. It's the level. La position de cette domination. Position of that power in our lives. Parce que Mammon poursuit un objectif particulier parmi les hommes. Because Mammon has a very specific goal in the hearts of men. Et qui touche également l'église et même les ministères. And even that spirit has touched the Church of Jesus Christ and the ministries in the world today. C'est cet esprit qui pousse à considérer qu'on est prêt, on peut déployer toute son énergie, toutes ses forces pour acquérir des richesses. It is the same spirit that makes you believe you can expend all of your energy and your energy to gain riches. C'est cette principauté qui considère que les richesses sont le fondement du bonheur. It is the same spirit that tries to make you believe that riches are the source of happiness. C'est lui qui est à l'origine pour faire croire que l'argent est suffisant à la vie et non Dieu. The same spirit that makes people believe it's enough to have money and you don't need to believe in God. Et c'est le mal de ce siècle. And that is what we see in this generation. Mais comprenez que c'est pas le fruit du hasard. But that's not the fruit of chance. Tout le monde ne poursuit pas l'argent, la plupart des gens, parce que ça vient par hasard. C'est une domination. It is a spiritual domination that we need to address. Dans la seconde catégorie, et là j'arrête vraiment. And in the second category, I'll end with this. Les autorités. The authorities. Dans la première, en grec, c'est arché. Les secondes, c'est kosmokrator. The Greek word is different for authorities. Et en fait, là, c'est des puissances qui ont autorité dans toutes les sphères de la société. And that is talking about the powers that have authority in every sphere of society. Et ça doit interpeller chacun d'entre nous, les chrétiens, parce que ça touche la mode. We need to be aware of those spirits because they touch so many areas. Fashion, la musique, l'économie, la politique, la médecine, l'éducation, les finances, culture, finances, tous all of those les domaines. Are influenced by that spirit. Tous les domaines. Every single area. L'armement, tous les domaines. Even warfare, weapons. Amen. So, let's wake up. Voilà, il y a ceux qui travaillent pour l'église, mais on n'a pas le temps d'aborder ça également, comme Jézabel. There are other spirits that work even in the midst of the Christian church, such as Jezebel, but we don't have time to talk about that. Qui travaillent à la fête pour l'apostasie. And apostasy that takes place in the body of Christ. L'étouffement de la voix prophétique. And the spirit that tries to silence the prophetic voice. Des stratégies d'alliance pour adorer de faux dieux. There are strategies to cause people, lead people into idolatry. Exactement comme a fait Jézabel pour préparer la saison d'après, le temps d'après. The same way that Jezebel did to prepare the next season. Mais vous avez également la reine du ciel. And that's why she's called the Queen of Heaven. Qui est également dans ces catégories. And she's found in that category. So. Celle-ci, je ne peux pas développer parce que c'est trop sensible. Mais sachez simplement qu'au 19e siècle, in the 19th century, il y a une bulle qui a été signée, une bulle papale. There was a papal decree signed. Le 8 décembre 1954. On December 8th, 1804. Voilà, Ineffabilis Deus. It was a famous document signed by the Pope. Voilà, et qui a posé un principe fondamental qui aujourd'hui est encore en vigueur et qui conduit à l'adoration de certaines religions d'hommes.
And that was one thing that affected the worship of certain denominations. Mais on va s'arrêter là. But we'll stop there for now and go to our question and answer time with Amen. Pastor Robert. Merci Seigneur, gloire Thank à Dieu. You, Lord. OK, merci beaucoup. Wow, il y avait tellement dans ce message. Amen. Just before we go to our time of question and answer, Avant de, Merci. D'aller dans le temps de questions, I do want to just say a quick hello to some young people who are from Jeunesse en Mission, YWAM, Alors, that are visiting with us today. Je veux saluer des jeunes. So de where are you? Where are you guys? Right over there. God bless you. It's great to have you with us. Lord bless you guys and bless your ministry. Amen. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Soyez bénis ainsi que votre ministère. Amen. Glory to God. Wow. About Blondel, là, tu nous as livré un gros paquet là. That was a big package that you just delivered to us, Blondel. Je sais même pas où commencer avec des questions. I don't even know where to start. Mais une chose, peut-être si on peut juste commencer dans un contexte personnel. Let's start okay, in a personal context, okay, an individual level. Un chrétien qui, on va pas dire qu'il est bébé, mais tu vois, c'est pas forcément le grand apôtre qui a déjà passé 120 ans dans le ministère, tu vois. Let's imagine a young Christian. He's not okay. a great apostle that's been in the ministry for years. Alors, il prend connaissance qu'il y a tout autour de lui une guerre spirituelle. So this young Christian becomes aware of spiritual warfare that is happening okay. all around him. Et il sait maintenant il doit se tenir ferme. And he knows that he must stand firm. Okay. Alors, pour lui, okay, qu'est-ce que ça veut dire vraiment se tenir ferme contre tout ça, tout ce qui l'entoure? For that young Christian, what does it truly mean to stand firm? Et peut-être aussi avec cette question, peut-être tu peux parler parce qu'il me semble tout au début tu as parlé de la naïveté. Il ne faut pas qu'on soit naïf. And if you would mention the fact of not being naive, d'accord, not being ignorant. Ce qui est très très bien dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne nous donne pas simplement le problème, il décrit pas simplement une situation, mais il donne la solution. The wonderful thing about the word of God is not only does God describe the problem, but he also gives us the solution. Parce que le fait de tenir ferme, tel que c'est évoqué dans Éphésiens 6, the fact of standing firm as we read in Ephesians chapter 6, certes, Paul, il décrit ce royaume spirituel et il nous dit pourquoi il faut tenir ferme, mais après, il dit comment tenir ferme, justement. Mm-hmm. He tells us to stand firm, but then he describes how to stand firm. Et il parle notamment des armes de Dieu. And he specifically speaks of spiritual weapons. C'est-à-dire qu'il veut que le chrétien prenne conscience que, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, il est engagé dans une guerre. So Christians need to be aware that whether they want to or not, they are already in a spiritual warfare. Comme Paul disait à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Yeah. As Paul said to Timothy, endure hardship with me as a good soldier of Jesus Christ. Et une des premières choses qu'il lui dit, c'est le soldat, il s'embarrasse pas des choses de la vie. So one of the first things he said is, a good soldier does not get involved in the worries of everyday life. Ça veut dire qu'il doit se focaliser sur l'essentiel et pas sur ce qui est futile. It is a question of focus, to focus on the essential things and not in useless things. Et en revenant dans Ephésiens 6, il donne certaines armes, dont une d'ailleurs on a vu au travers de Daniel 10, la prière. And so coming back to Ephesians 6, we saw one example in Daniel as well, the weapon of prayer. Donc pour le chrétien qui vient de naître ou même après, il doit savoir que en tant que soldat de Christ, il a un équipement. So all Christians should know that they are equipped to be soldiers of Christ. Et s'il n'a pas cet équipement, c'est comme un militaire qu'on envoie à la guerre, mais sans armes, sans rien, il est mort. So if he goes into the warfare without his equipment and his weapons, he'll be killed. Même s'il dit je suis un gentil, il est mort quand même. Even if you say to the enemy, I'm a nice guy, you will still be targeted. Donc ça veut dire que nous devons prendre conscience qu'il y a un équipement, le chrétien a un équipement
qu'il doit revêtir. La prière est une des armes qu'il doit exploiter pleinement. So all Christians need to be aware of the spiritual weapons given to us, prayer being number one. Et regarde, je trouve tellement extraordinaire que Daniel nous démontre que la persévérance dans la prière et dans le jeûne peut nous accorder des percées spirituelles. Tout à fait. And in the case of Daniel, he revealed to us how prayer and fasting with perseverance brings the breakthrough. Mais pour ça, il faut qu'on ait la révélation de la puissance qu'il y a derrière la prière et pas simplement une mécanique. So, we can't just do it mechanically. We need to realize that prayer is powerful. Et en ce sens, on a besoin de demander au Seigneur, donne-moi un esprit de révélation. At the same time, we can ask God to give us a spirit of revelation. Pour que je comprenne qu'en fin de compte, la prière n'est pas un fardeau. So that we understand prayer is not a burden. Quand je prie, il se passe quelque chose dans les lieux célestes. When we pray, something is happening in the spiritual realm. Il y a des combats dont on n'a même pas idée qui peuvent se passer simplement parce que nous avons prié. And sometimes we have no idea of what's happening, but it's just the result of what we've been praying. Et peut-être parce que nous abandonnons trop tôt, peut-être que cette percée n'arrive pas. And sometimes we don't see the breakthrough because we give up too soon. Mais Paul parle également, pour répondre encore à ta question, de la parole de Dieu. The second thing Paul speaks about is the word of God. Et en fait, dans ce passage d'Éphésiens 6, il nous dit quelles sont les armes que nous devons utiliser pour tenir ferme. Prière, parole de Dieu, le bouclier de la foi. So, as you read the description of the armor, you've got prayer, you've got the sword of the Spirit, which is the word of God, you've got the shield of faith. Voilà, il dit clairement, quand tu es attaqué, quand tu as des flèches qui viennent de partout, tu es criblé, eh ben, la foi est pour toi, il dit comme un bouclier qui va éteindre tous ces traits enflammés du malin. So when you are attacked by the fiery darts of the enemy, you have that shield that will put them out. Il va parler de la ceinture de la vérité aussi. He speaks about the truth as a belt of truth. La vérité de la parole. And that's coming back to the truth of God's word. C'est-à-dire l'intégrité. It also means walking in integrity. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette intégrité, là, c'est au niveau de la ceinture, au niveau des reins, c'est-à-dire c'est au niveau du point de gravité. It is placed around the waist, which is the point of gravity. Ça veut dire qu'au-delà de tout cela, si on n'est pas un chrétien intègre, toutes les autres armes ne servent à rien. So ultimately, if you don't walk as a Christian in integrity, all of the other weapons serve no purpose. En un mot, c'est la consécration. Chercher à être consacré par la grâce de Dieu. Consecration. Par la grâce de Dieu. Mais the grace of God. Il faut vraiment se dire qu'il y a des outils. Parce que des fois, on se dit, mais comment je fais comme si Dieu n'avait pas prévu les outils. La réalité, c'est que Dieu a prévu des outils. God has provided every tool and every weapon necessary. C'est nous qui ne les utilisons pas, mais laissez les outils. Yeah. But we just need to learn how to use them. Alors pour moi, c'est un petit peu aussi comme j'aime aller en Martinique. On a une église sœur là-bas. Well, I like to go to Martinique where we have a sister church. Et ce qui est chouette, hein, il te faut un short, un t-shirt, des pantoufles et c'est tout. And all you need there are shorts, t-shirts, and slippers. T'as pas besoin beaucoup de plus. Et parfois, je taquine les Martiniquais en disant, mais pourquoi vous voulez vivre en région parisienne? And sometimes I tease our brothers and sisters there, why do you want to live in the Paris area? Même en avril, il fait moins 2. Here we are, it's April, and it's like 2 degrees outside. Mais quelqu'un qui déménage en Ile-de-France, however, when you move from Martinique il to apprend Paris, qu'en hiver, on s'habille différemment. That in the winter, you dress differently than you do in the islands. On n'a pas peur du froid. All right, so we're not afraid of the cold. We are aware that c'est une question d'habille. But it is a question of dressing correctly. Et je crois que même pour le chrétien, c'est très important de ne pas avoir peur de la guerre autour de nous. I believe it's important for Christians not to be afraid of the spiritual warfare. C'est une question d'habille. Just be equipped. Just be properly dressed. Alors, Pasteur Samuel, une question? Do you have a question, Pasteur Samuel? Oui, bonjour Blondel. Merci pour le message. Je pense que tu as mentionné pas mal de choses. Pour une question de temps, je vais essayer de tout condenser dans une phrase. Tu as parlé de guerre, de l'importance de la prière, de naïveté. You spoke about spiritual warfare, prayer, naïveté. Et pendant que tu parlais, tu sais, il y a un grand homme de Dieu dans les années 40-50, si je ne me trompe pas, qui a dit que sans Dieu, l'homme ne peut pas, et sans l'homme, Dieu ne pourra pas. There was a man of God in the 1940s that said, without God, man cannot, and without man, God will not. Et donc ça peut-être mettre un peu l'emphase de la responsabilité que, entre guillemets,
d'expliquer un peu plus que Dieu ne peut pas agir sans l'intermédiaire d'un être humain ici-bas. Could you develop therefore a little bit more this notion of God being unable to move without human instruments? Tout à fait. Et c'est d'ailleurs l'exemple que je donnais quand je parlais parmi les alliés du royaume des ténèbres, quand je parlais des humains. That's what I was talking about when I mentioned allies, voilà, and human beings. Voilà, c'est-à-dire que qui ont bien compris le principe qu'il faut un intermédiaire. Even the devil has understood that he needs a human being to move through. Un intermédiaire qui est conscient parce qu'il sait pertinemment ce qu'il fait, ou inconscient mais qui est quand même un allié malgré lui. That human being can be aware of what he's doing or totally unaware and still be an ally of the enemy. Donc qui sera un intermédiaire? But he will be the intermediary. Un intermédiaire conscient, on voit par exemple à l'île de Paphos, quand Paul et Barnabas sont partis pour témoigner de l'évangile, il y avait un proconsul romain. There was a Roman leader at the time when Paul and Barnabas went to the island of Paphos. Et il y avait un proche conseiller de ce proconsul qui s'appelait Elimas. And there was a counselor for this authority by the name of Elimas. Donc, homme de l'ombre, homme politique, homme so politique. This is a political figure, okay? Qui conseillait l'élu quotidiennement. He was giving counsel to the leader, to the elected official, so to speak. Donc ça, c'était un intermédiaire humain conscient, parce que tant que Paul ne parlait pas l'évangile, alléluia, tout allait bien. So ben, lui, il disait pas alléluia. That was a deliberate thing. When there was no gospel being preached, he was fine. But once the gospel started being preached, he gave bad counsel. Mais Paul a commencé à parler de l'évangile. When the word of God was being preached, le relais humain s'est réveillé. That is when that intermediary woke up and started. C'est un allié. L'allié s'est réveillé et l'allié s'est braqué contre Paul. It was the ally of the enemy, and he resisted Paul. Parce que dans l'objectif que nous avons donné tout à l'heure, l'adoration doit venir à Satan et à lui seul. The ultimate objective of Satan is to receive all the worship for himself. Donc, tu vois que là, on a un allié qui a été utilisé. Et de la même manière, il faut qu'on comprenne que du côté divin. So that's one example of a human instrument used. Now, on the God side, Dieu a par grâce, il a voulu qu'on soit des partenaires. God is inviting us to become partners with him. C'est-à-dire, il peut tout faire tout seul. He could do it all by himself. Quand il a créé tout ce cosmos, l'univers, toutes ces choses tellement merveilleuses, personnellement, moi, j'étais pas là. Vous, je sais pas. He already created the entire creation without our help. I wasn't there, at least. I don't know if you were. Il a eu besoin de personne. But he did not need human beings for that. Mais pour le reste, il a décidé que l'homme allait être son partenaire. However, he has decided to make human beings partners with him. Et qu'il passera par l'homme et que tout dépendra du fait que l'homme veut collaborer ou ne veut pas collaborer. He has chosen to use human instruments and it's up to us to decide whether or not we will cooperate. Et quand Paul dit marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. When Paul said walk by the spirit so that you don't accomplish the desires of the flesh. C'est une décision qu'il faut prendre. It means you and I have a decision to make. Et je dirais même pour aller plus loin que si on décide vraiment de marcher par l'esprit et qu'on fait confiance à Dieu. In other words, if you decide to walk by the Spirit and trust God, le partenariat peut aller jusqu'à un niveau où Dieu peut simplement mettre un sceau sur ta décision. That partnership can be so deeply developed that even God can approve your decision. C'est-à-dire qu'il va même pas attendre que tu pries, Seigneur, est-ce que je peux faire ceci? Tu vas déclarer quelque chose. It can reach a point where you're not just praying and waiting for an answer. You will be the one declaring the thing. Parce que il a dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Because Jesus said you will know the truth and the truth shall set you free. Et quand tu comprends cette vérité, tu sais notamment que tu as l'autorité, le pouvoir de lier et de délier. So when you understand truth, you assume that authority to bind and to loosen. Tu as l'autorité de lier, délier des choses ici et qui sont approuvées dans le ciel. Things here on earth that have already been bound and loosened in the heavenly realm. Et dans cet exemple que je disais tout à l'heure, in the example I gave, quand ce Elimas n'arrêtait pas de contrer la prédication de l'évangile, Paul a été excédé.
And when Elimas was resisting the preaching of the gospel, this was terrible for Paul. Et regarde comment agit le partenariat. Paul n'a pas dit, oh, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire maintenant. Qu'est-ce que je dois faire avec ce gars-là qui est en train de me prendre la tête, toi? In that example, Paul wasn't there praying, Lord, what should I do? This guy is bothering me and I can't even preach the gospel. What should I do? Paul a proclamé une parole d'autorité. Paul simply pronounced the word of authority. Maintenant, starting now. You will be blind for the rest of your life. Boom! Yeah. The judgment of God. Instantly. Il a pas prié. He didn't even pray and ask God. He just proclaimed it. Dans ce partenariat, and because he was partner with God, God did exactly what Paul said. Dès lors qu'on est prêt à marcher dans le partenariat avec le Seigneur, when you're ready to walk in that level of partnership, mais ça dépend de nous. Well, it will depend on you, ultimately. Amen. Pasteur Jean-Pierre, une question. Oui, j'ai une question de la part des internautes. Alors, question par rapport au combat spirituel, priez sans cesse et ne répétez pas de vaines paroles, que comprendre? All right, coming into the area of spiritual warfare, when we read, pray without ceasing and don't repeat vain words, how do you apply that? Moi, ce que je pourrais dire, si on en revient encore à Ephésiens 6, c'est un peu une des armes de chrétiens où Paul dit de prier en tout temps, par toutes sortes de prières, mais il dit surtout prier par l'Esprit. Paul instructs us in the book of Ephesians to pray at all times, all types of prayer, but specifically and especially pray in the Spirit. Et je crois vraiment que dans nos temps de prière, et il faut arriver à un moment donné à laisser l'Esprit prendre vraiment la direction de ce temps. In your prayer time, it is so important to let the Holy Spirit direct the way you pray. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'inviter dans nos temps de prière. In other words, invite him to take over your prayer life. C'est-à-dire là encore, on est dans le partenariat. And there again, you see partnership. C'est-à-dire que quand on commence notre temps de prière, il faut inviter le Saint-Esprit. When you start your prayer time, invite the Holy Spirit. Personnellement, c'est ce que je fais. That's what I do on a personal level. Parce que, en fin de compte, la Bible nous dit que nous ne savons pas réellement ce qu'il convient de dire. C'est ça la vérité. And even in the book of Romans, the Bible says that we don't know how to pray. Et j'irai même plus loin. La vérité, c'est que nous ne savons même pas réellement de quoi nous avons besoin. And we don't even know, to be honest with you, what we ourselves need. Nous, on peut penser comme Paul qu'il faut que j'aille à Bithynie dans l'Est maintenant pour annoncer l'Évangile. We could be like Paul who thought for a time now I need to go towards the East to bring the gospel. Saint-Esprit, non, c'est l'Ouest, c'est l'Europe là-bas. C'est, c'est là-bas, chef. But the Holy Spirit said, no, that's not my plan. I want you to go west towards Europe. Donc, en fin de compte, je pense vraiment que pour éviter les vaines paroles qui peuvent vraiment être frustrantes parce qu'il n'y a pas de résultat. So, to avoid vain, useless words that can be so frustrating because you never see your prayers answered. Il faut vraiment faire du temps de prière un temps de rencontre. You should make your prayer time a time of encounter with the Lord. Pas une corvée, mais vraiment un moment de rencontre avec le Seigneur. It's not a burden, it's not slavery, it is a time where you meet with God. Et en invitant le Saint-Esprit, en lui laissant vraiment prendre les rênes de ce temps de rencontre. And when you invite the Holy Spirit to take the direction of that time, donner l'adoration qui est due au Seigneur, lui donner l'adoration. When you offer to God the worship that he is worthy of, Et dans ce moment-là, c'est-à-dire que quand la priorité, c'est pas simplement parler, mais la priorité, c'est d'abord inviter celui qui va nous dire de quoi parler. You will soon discover that it's not just a question of talking, blah, 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 but inviting the Spirit to speak. Et à ce moment-là, en fin de compte, la manière de prier va couler, l'inspiration va venir pour savoir comment prier. And there you will find that the inspiration comes and instructs you how to pray. Et la prière dans l'esprit va nous permettre de prier selon la volonté parfaite de Dieu. And it starts off when you pray in the Spirit, which helps you understand how to pray according to the will of God. Jean-Pierre, par rapport à la question que prier, il faut beaucoup prier par l'esprit parce que au-delà de cette prière qui monte, nous bâtissons notre esprit. The other reason for praying in the Spirit a lot is that you're edifying yourself. Et comme nous sommes dans le sujet de la sensibilité au monde spirituel, au mouvement de l'esprit, à la révélation de Dieu, il faut vraiment plus que jamais dans les temps présents, il faut construire, bâtir son esprit. And the more we become aware of the spiritual realm, the more we will understand the need to be edified within ourselves.
Amen. Blondel, le sujet est tellement vaste. It's such a vast subject, in fact. Peut-être même pour un seul culte, c'est un petit peu trop vaste comme sujet. Maybe for Mais one service, ce que j'entends dans l'esprit, peut-être, on va voir si on ne pourrait pas faire une sorte de webinaire, quelque chose en ligne, là où on a vraiment le temps pour un petit peu, tu vois, défaire toutes ces valises de révélations et de connaissances. Mais I wonder if we should do a webinar on that subject. Peut-être juste pour clôturer ce temps, est-ce que tu parlais là à l'instant de prier? You're speaking a lot about prayer today. Est-ce que tu peux juste prier pour nous, pour tous ceux qui sont ici, qui regardent à la maison et amen. Could I ask you to pray for all of us? Parce que et je suis d'accord avec toi, la guerre est réelle. I am totally in agreement with you. Et nous sommes destinés à la victoire et non pas à la défaite. And we are destined to victory and not defeat. Amen. Est-ce que tu peux prier pour nous? So, could I ask you to pray, Blondel? Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs. And we are more celui qui nous a aimés. Hallelujah. The one who saved us. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Let's pray together in the spirit. Prions par l'esprit. Let's pray in the spirit together, brothers and sisters. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir. Nous voulons Father, te bénir. We bless your name. Car sur la croix, tu as tout accompli. Because at the cross of Calvary, you said it is finished. Nous voulons te bénir car sur la croix, tu as désarmé les dominations et les autorités. You have disarmed the rulers and the authority at the cross. Nous voulons te bénir parce que tu as vaincu. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. We bless you because you have triumphed and your name is lifted high above every other name that can be named. Non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle également à venir. Not only in the present time, but in the time to come. Nous te bénissons, Seigneur, car nous servons un Dieu qui a déjà remporté la victoire pour nous. We bless you because we are serving a God that has already won the victory. Et Seigneur, même si nous livrons des batailles au quotidien, la véritable guerre cosmique a déjà été gagnée. The real battle has already been won. Mais Seigneur, nous prions maintenant, je prie pour que tu accordes à chacun un esprit de révélation. I just pray right now that you would release a spirit of revelation. Seigneur, je veux libérer maintenant sur la vie here, de chacun, and de the life ton of peuple qui regarde un esprit de révélation. Every internet connection, spirit of revelation come. De révélation dans la connaissance de la vérité. Revelation in the knowledge of the truth. Car Seigneur, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Because you said in your word, you shall know the truth and the truth shall set you free. Seigneur, je prie donc pour la passion pour la parole du Seigneur. I pray also for a passion for Car the word of God. Car la parole est la vérité. Because your word is truth. Et Seigneur, que cette parole transforme chacun de nous jour après jour. Let your word transform each of us day after day. Afin que nous puissions comprendre les mystères de l'Évangile. So that we can understand the mysteries of the gospel. Les mystères du royaume. The mysteries of the kingdom. L'impact dans notre vie. The impact in our lives. Et Seigneur, je prie pour qu'aujourd'hui, chacun prenne la décision de ne plus être consciemment ou inconsciemment un allié de notre adversaire. I pray that each person would consciously decide to no longer be an ally of the enemy. Mais de vivre une vie de consécration. But to fully live a consecrated life for the glory Seigneur, of God. Seigneur, de se détacher du système du monde. And detach ourselves from the world system. De se détacher de l'influence de Mammon. And from the influence of Mammon. Et de décider, Seigneur, plus que jamais, de vivre une vie qui te soit dédiée. To choose daily to live a life Seigneur, dedicated to you. Merci pour la crainte de l'Éternel. Thank you for restoring the fear of the Lord. Et que chacun puisse prendre toutes les armes de Dieu. That every person would take a hold of the weapons of our spiritual warfare. Of our spiritual warfare. And use them to for the glory of your name. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur?